Salut, salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui, on va voir 5 astuces indispensables sur un Google Home ou un Google Nest. C'est parti. Donc, que vous ayez un Google Home Mini, un Google Home tout court, un Google Nest, un Google Nest Hub, bref, tous des appareils qui utilisent Google Assistant, eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble 5 astuces indispensables. Première astuce, eh bien, c'est les commandes multiples. En attendant que la conversation continue arrive, on l'oublie souvent, mais savez-vous qu'il est possible d'enchaîner plusieurs demandes? En effet, en prononçant le terme « et » entre chaque action, par exemple, Google allume la télé et les lumières, vous pouvez effectuer jusqu'à 3 demandes simultanées. Deuxième astuce, eh bien, c'est le minuteur pour sa musique. Et oui, les fonctions domotiques du Google Home ne maîtrisent pas encore les notions d'écoulement de temps. Mais savez-vous que pour la musique, il en est autrement? En effet, vous pouvez lancer une musique avec un minuteur. Par exemple, Google lance de la musique pendant 10 minutes. De même, si vous avez déjà un contenu en cours de lecture, vous pouvez y ajouter un délai. Par exemple, Google arrête la musique dans 5 minutes. Troisième astuce, eh bien, c'est le fait d'activer le mode aléatoire pour sa musique. Vous souhaitez activer le mode aléatoire lors de la lecture de vos playlists préférées? Rien de plus simple. Lancez tout d'abord votre playlist. Une fois la musique lancée, vous pouvez demander à votre assistant de passer dans ce mode en lui disant « Google mode aléatoire ». Par contre, si vous dites « Google lance ma playlist en mode aléatoire », ça ne fonctionnera pas. Et ça a l'air simple, mais il fallait y penser. Quatrième astuce, et ça là vraiment, elle est indispensable, puisque comme vous le savez, eh bien, le minuteur, c'est une des fonctions essentielles sur ces appareils. Et si vous en avez plusieurs à la maison, eh bien, ça peut vite devenir le bordel. Si par exemple, eh bien, vous avez lancé un minuteur dans la cuisine, et puis après vous allez dans la salle de bain ou dans la chambre, et que le minuteur se déclenche quand vous êtes dans les autres pièces que la cuisine, eh bien, pour arrêter le minuteur qui est dans la cuisine, eh bien, il suffit de dire à vos Google Home qui sont dans la chambre ou la pièce où vous êtes actuellement, Google Stop, suivi du nom de la pièce où se trouve votre Google Home. Donc, s'il était dans la cuisine, eh bien, on dira Stop dans la cuisine ou Stop cuisine, tout simplement. Dernière astuce indispensable, eh bien, c'est que votre musique vous suit partout. Eh bien, là aussi, le cas de figure où vous avez plusieurs Google Home dans votre maison, vous avez la possibilité de transférer la musique qui est en cours de lecture d'une pièce à l'autre. Pour cela, il suffit de dire Google met la musique dans le salon, Google met la musique dans la chambre. Vous l'aurez compris, donnez le nom de la pièce dans laquelle vous allez aller. Si vous avez éventuellement un groupe d'enceinte, vous pouvez aussi lui dire Google met la musique sur groupe plus le nom du groupe. Et donc comme cela, votre musique reprendra sur l'appareil que vous avez sélectionné. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, car eh oui, on fait bien plus que des tutos. Si tu veux un t-shirt geek que j'ai fait spécialement pour toi, ou bien un produit tech que j'ai sélectionné pour toi sur Amazon, eh bien je t'invite à regarder les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions. Et attention, si c'est des questions pas sympas, eh bien j'y réponds pas. Voilà voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal. Hein, voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici, hein, voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement, hein. Ça peut t'intéresser, hein, voilà, là.